Bonjour. J'ai déjà évoqué dans un précédent épisode l'importance du choix des mots que nous employons au quotidien. Adopter un langage positif implique en effet l'usage conscient de tournures de phrases et d'un vocabulaire choisi et orienté. Rappelons-nous que les mots génèrent une image mentale, propice ou nuisible à l'atteinte de notre objectif de communication. Pour mieux faire passer votre message, le langage positif se doit d'être orienté bénéfice. Il évite ainsi les expressions négatives, le vocabulaire lié à la peur ou encore les expressions d'opposition. Par exemple, lors de vos rencontres professionnelles, « Ne vous inquiétez pas, peut devenir, rassurez-vous. » Quel est le problème ? Peut devenir, que se passe-t-il ? Plutôt que « On ne vous a pas oublié », préférez « Oui, je pense à vous ». Ou enfin « Mon produit est garanti 3 ans », préférez « Vous profitez d'une garantie de 3 ans. À vous maintenant d'y prêter attention et d'utiliser ces simples expressions positives dans votre quotidien. À bientôt.